Pour le bien du reroll, je me suis dit, c'est quoi? Vas-y, go. On fait tous les monstres. Il y a un petit new. Ouais, c'est ça, il y a des catenades dans la famille, c'est ça. Et du coup, ça a bien pété les couilles hein, pour les Ewek. En vrai, le reste, ça allait. Bah, ça, c'est un 2 étoiles, donc ça allait. Le serpent, ça allait. Le chat, ça allait. Mais comme il y a deux feux, bah, j'ai beaucoup farmé le feu, forcément. Oh merde. Hop. Normalement, c'est bon. Toujours Paris, Lyon, Marseille, jamais ailleurs. Ouais, c'était chiant. Après, c'était clairement pas de chance, mais ok, c'est bon, il est full skill. C'est beau, hein? Enfin, le tyran full skill. La préa de Guts qui a dégusté à cause d'un Mewang. Ouais. Le Mewang, c'était compliqué. Ouais, en Europe, franchement, c'est cher. En vrai, les packs sont vraiment chers. En fait, on a beaucoup de taxes sur les stores et tout, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment, on avait des... C'était moins cher, les packs. Ils ont dû les remettre à 110 ou je sais pas quoi. On peut utiliser un VPN? Je sais pas du tout. J'avoue qu'il y a peut-être des astuces comme ça, mais je suis pas au courant, perso. Renseignez-vous... auprès des gros acheteurs, tu vois. Parce qu'à mon avis, eux, ils ont les astuces. T'as déjà 20% de taxes, ça pique. Ouais, clairement. Le trafic, hein, tu vois. J'aurais quoi comme compo avec un Miles et ou un Molong? Ça dépend ce que t'as à côté, malheureusement. Tu peux pas. C'est un peu impossible à dire actuellement, honnêtement. Est-ce que l'Antares est si chiant que ça? Ouais, la Diana, elle va prendre beaucoup de tours, ça va être casse-couille. Je préfère faire ça, limite. Alors, ça qu'on pouvait nul à chier, mais le problème, c'est que Antares, s'il s'énerve un peu trop, ça peut être chiant. Le problème, c'est que j'ai pas encore des giga artefacts. La Clara, c'est la Clara support. On fait pas mal. Ce genre de draft, plus tard, ce sera vraiment free. Dis-moi que tu vas aller à Lyon cette année. Non, non, je vais plutôt aller à Paris, moi. Paris, c'est beaucoup plus simple pour moi. Allez, absorbe un tout petit peu cette fois-ci. Merci. Et on va stun ça en prio. Ok, on a les deux. Stun Antares, s'il te plaît. Dommage. Stun Antares. Plaît. Résistance. Ok. Au moins il a pas proc, je vais pouvoir l'anti-heal au cas où il proc. Comme ça il peut pas se heal. Allez, chais. Ça dégage. Ouais, le robot est skill up. J'ai Devilmon. Je l'ai full Devilmon. Yoiko, comment tu as? Ça c'est un peu chiant le double. Double Oblivion, mais. Ah. It's ok. C'est pas si ok que ça en vrai, mais j'avoue que le double vision vers Deloraine il casse un peu les couilles, mais on a le skill 2 qui revient. Normalement, c'est fine. On va pouvoir tuer Wedjad tranquillement. La Lorraine, elle fait 0 dégâts pour l'instant aussi. Mais bon, ça va venir ça. Hein. Résistance. C'est pas si grave que ça, dans tous les cas, elle va pas trop jouer. Et ça c'est chiant, parce qu'il va pouvoir tuer Lorraine en plus. En vrai, les procs du Tessarion ont mis tellement de à mal la game. Et c'est toujours ça, un hein, Tessarion, c'est souvent ça. Hein, c'est si ça proc, c'est fort, si ça proc pas, ça pue sa mère, vraiment. Même en G2, G3, il y a souvent des gens qui tentent de le draft, alors qu'il est pas très très bon. Résistance... Tout va bien. Tout se passe super bien sur cette game. Il est mal quand tu as... Je pense qu'il faut que je tente comme ça, hein. Sinon je pourrais pas gagner. Résistance! Mais c'est pas mal ça. C'est bien joué, c'est bien joué. Avec un petit revenge, ok. Bah décidément. Bonne petite RNG. Ça, c'est le premier des artefacts, tu vois. En vrai, avec les artefacts, il serait déjà mort depuis un petit moment. Avec ma propre Clara, qui aura un peu plus d'attaque, tout ça, tout ça. J'ai oublié de tenter de tuer ça. Je vais pas rejouer avant. Yo Takun, quand t'y la forme ou quoi?
Oliver. Vanessa. Ok, lui, il veut Sage Speed. Je vais quand même en prendre un. On va voir ce qu'on en fait derrière. Du coup, trop hype, ça va être cool. Hein. En fait, ça va dépendre des dates aussi. Ils n'ont pas encore annoncé les dates. J'espère que ce sera pas trop chiant à ce niveau-là. Je pense qu'on part là-dessus, du coup. Je vais prendre sur un petit bruiser et un buff attack. L'immunité, la sustain, tout ça. C'est pas mal contre sa compo. Même s'il a de quoi la contrôler, hein, mais au moins, ça a une petite menace, en plus. Camille... En vrai, Camille... On a la sustain, on a le robot, le Dominique... Je pense que Camille, c'est pas un problème. En fait, la Joséphine, elle peut être trop casse-couille. Mais le Minato aussi, en vrai. Tu sais quoi, je vais quand même faire ça. Normalement, Camille, on devrait avoir les dégâts pour le gérer. Normalement, on a l'autre speed aussi, facile. Le robot pourra skill 2. Malheureusement, il y aura le Minato derrière, mais c'est pas un problème vu que le Verde joue avant. Ouais, je vais triple Oliver en vrai. Il me le faut. Je pense que là, par contre, je vais faire un skill 1 sur Minato. Comme ça, je vais pouvoir strip, enfin stun le Minato. Ah. On a eu un freeze sur 4, ça fait plaisir en tout cas. Bah, autant stun le Oliver, du coup, on n'a pas trop le choix. Ah, résistance, ok. Bon, tout va bien. Hein. Les games se passent bien en tout cas, c'est cool. Les games se passent trop bien. Ça fait plaisir. Ok, à mettre l'immu. Je pense que malgré ça, on n'est pas si mal que ça, même si c'est un peu relou. T'as le même robot que moi. Ouais, non, c'est vrai. En vrai, là, c'est grave. Hein. non chat sur 3 games de suite, c'est un peu chiant. Mais je pense qu'on la gagne quand même parce que sa draft est pas. Est pas fofolle, quoi. Y a pas grand chose en fait. Va pas ensemble, y a pas de synergie, le last pick va être très facilement gérable pour moi. Je sais pas ce que t'as fait mais t'as une énergie incroyable, c'est grave hein. C'est très grave hein. Mais bon, le combat est free, du coup c'est fine. Hop, on absorbe à nouveau. Même l'arrêt du KTV ici. Hop, on se boost ici et puis on auto. C'est te régale, Kantia. Je vais regarder en boost ATB, pourquoi pas Eshir dans le même rôle. Parce que Verde, ça surprend plus. Et ça me permet de pas avoir Verde en face aussi. Normalement, pour d'autres monstres qui peuvent justement contrôler ou je sais pas quoi. Là, il strip pour mettre un Glancing. Le Glancing, c'est pas du tout fiable. Hop. Mais ça se trouve, il était en dispair, juste il a un gros dispair dessus, ou je sais pas, il était sous les 33, moi 19, et mon Verde est pas si rapide que ça. Après, il faut quand même un sacré dispair hein, pour être plus rapide. Hein. Donc je pense vraiment que c'était du Swift. Parce que je Véronica contre les gangs, ouais, c'est plutôt fort hein, pour ça, les gangs. C'est Adriana. Ouais, Adriana, c'est vraiment cool pour ça. Mais il faut la voir, quoi. J'ai fait moins 100 points de C1 à F2. Ah ouais? Bah c'est la fin de saison est très difficile. C'est pour ça que sur le reroll j'ai un peu plus de mal aussi. Parce qu'il y a des gens qui commencent à jouer etc à ce moment là. Bah là Adriana en question, tu m'as porté l'œil un peu. Ok, je pense qu'on va partir sur ça, on n'a pas trop le choix. On peut pas qu'on teste du tout ça. Est-ce qu'on tente de mettre un petit échir en mode fais gaffe? Tu peux te faire avoir. Ou alors je pars sur des mono-cibles. Non, tu sais quoi le Dominique, je pense qu'il est pas si horrible. C2 à F3 en une journée. Ouais, je pense que c'est normal. Fin de saison, c'est beaucoup plus difficile en vrai de vrai, les gars. J'ai eu la même chose sur le reroll. J'étais C2, mi-C2, je passais même... J'étais quoi, 80 points du C3? C'est quand même beaucoup 80, tu vois, mais... Je pense que j'ai le buff attack. Ça fait beaucoup moins de dégâts quand il n'y a pas le buff attack, buff speed. Ça peut faire mal quand même, mais on va voir. J'étais tellement mauvais en RTA, quelle galère. Ouais, ça va venir, t'inquiète.
Ok, l'Oliver joue avant le Moor, tout va bien. Le problème, c'est que mon robot n'est pas en wheel. Du coup, il peut s'en servir. Ok, on tape le verdé, au cas où il peut pas revenge. Est-ce que je... Ah, j'aimerais bien cleanse le verdé, le stun est trop chiant, en vrai. Ah, j'ai pas fait attaque pour le Dominique, j'ai pas le choix. Oh! Ah là, par contre, je vais le faire. J'ai pas heal le Dominique. J'ai juste one shot ça, en fait. Je pense que je peux le one shot. Oh! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va tuer ici, du coup. On va break attack ça. Pas mal le break attack. Ah, du coup, le Dominique est mort, je pense. Ouais. Ce break attack, il était pas mort. On va essayer de réduire TB ça pour pas qu'il puisse me re-reset le robot. De toute façon, je pense que je vais rejouer avant, là, avec le verdé. On va re-break attack ça. Résistance... Ah ouais, ok, ok. Je peux comprendre. On va faire ça. Hop. Ah, c'est chiant. Ça, c'est un bon proc. Yo, Fit Sardine, comment tu vas? On va se remettre l'immu. Boum boum. La skill 2 qui revient. Je pense que je vais faire plus de dégâts ici. Voilà. Je pense que je regarde avec ça. Parce que comme ça on peut encore taper sur l'Oliver avec le verdé. On réduit ATB. On réduit pas ATB mais c'est pas très grave. Easton, c'est pas grave, on peut cleanse. Et à partir de là, on n'est pas trop mal. Ok. Tu as mis du test. On va quand même faire full menace pour l'instant, voir ce que ça donne. De toute façon, c'est pas comme si j'avais beaucoup d'autres bases. Ouais, c'est un 99 bases, hein, clairement. Hein. C'est parfois juste pour mettre la pression aussi hein, qu'on fait ça. Waouh. C'est quoi ça? Ok, frérot. Bah, en fait, c'est presque une game Diana, mais la Diana, c'est la Diana support, quoi. Elle est pas folle, quoi, cette Diana. C'est un peu le souci. Je pense que je vais devoir jouer Fran Diana. Hein. Parce que là, il y aura trop de buffs et tout, ça va être trop trop chiant. Dis bonjour avant, non? J'avoue. Allez. T'as encore un replay à Boom Boom Bureau? Vas-y, vas-y, tu m'enverras ça. Ouais, je pense que je vais quand même faire ça. Mais Adriana, c'est trop chiant quand t'as Verdé Swift. Ouais. Parce que l'Oblivion Instant, il fait mal. Après, s'il fait ça, il a potentiellement pas d'immunité, du coup. On va voir ce que ça donne. Oh, il est rapide, hein. Ok. Il avait pas les 50% HP, mais il a quand même réussi à stun. Il oblivion pas, ok. Il a raison, hein, vu qu'il a stun ça. On n'aura pas de strip. Après, nous, on va se remettre l'immunité aussi. Est-ce que j'ai envie de heal maintenant? Autant le faire, ouais. Pour la tempo. Ah, il a eu l'immunité, chier. Il a le break def aussi, chier. Ah, c'est pas de chance, c'était une chance sur deux. Enfin, plus le rest check, donc c'est plutôt 45, 42% environ. Et il meurt du dot tout pile. Dans tous les cas, l'aura aurait achevé. Ça change pas grand chose. Ok, donc là, il faudrait gagner suffisamment de temps pour pouvoir tuer deux fois l'Etna. Et prochain tour, pouvoir faire son skill 3 quand eux ont perdu l'immunité. Là, le verdé va se faire oblivion, mais c'est pas si grave que ça. Dans le sens où je vais pouvoir le cleanse avec Fran. Là, par contre, je peux y aller. Je vais pouvoir freeze avec le tyran. Rater le slow, rater le freeze, rater le slow, rater le freeze, rater le slow. Ok, bah ça part de là. Ça part de là. Il y avait une idée. L'idée était là, mais pas dingue.
Par contre, ça m'arrange de fou qu'il fasse ce misplay là. Qu'en gros, il aille sur un monstre qui n'avait pas de sort, pas de, de buff. Et du coup, il a pas volé l'immunité ni rien. En tous les cas, on l'a leur tué derrière. Hop. Le Verdé, je pense qu'il rejoue avant. En tous les cas, ça tuera pas ça. Autant faire un petit coup ici. Ok, rejoue avant, c'est parfait. On va cycler. Je vais garder mon immu, enfin mon cleanse, pardon. Je l'aurais pas gardé si je savais que le prochain tour j'avais le skill 3, mais là je l'avais pas. Donc autant le garder au cas où il se fait oblivion, il se fait break death par Vanessa ou je sais pas trop quoi. Hop. Là autant me heal, parce que dans tous les cas, prochain tour j'ai le skill 3. On a le skill 3 qui revient. On peut freeze, on peut slow. Cette fois-ci, ça passe très très bien. Et là, avec le cycling, je pense que je vais pouvoir reskill 2 avec Tyron et ils vont plus rejouer là. Ok, on a mis le truc en place. C'était pas facile, mais on l'a mis en place et maintenant, voilà, c'est cycling land. Ça a pu rejouer en face. Là, on va beaucoup trop jouer avec les slow, tout ça. Nice. C'est bien fini. Ça c'est quand même bien fini. Mais c'était un peu long quoi. Tout le temps. Ça casse les couilles. Tous les monstres que je joue peuvent stun et tout quoi. C'est un peu chiant. Ah, les deux sont trop chiants pour mes compos actuellement. J'ai pas grand chose pour les gérer. Je pense qu'il faut que je joue Fran. Pour avoir la sustain pour ça et pour break attack, buff attack. Limite, je prends le Dominique alors. Hein. En vrai, le Dominique, il peut faire des bons dégâts sur Douglas aussi. Il n'y a pas encore eu le Singe-Vent. Le Singe-Vent, c'est pas un problème par contre. T'as Gérald et Dark Cérès. Rien ne m'empêchera de le dire. Vous êtes vraiment malveillant. Vous êtes trop malveillant, c'est ça votre problème. Par contre, le Tessarion, je peux le laisser. En vrai, de vrai. Je vais quand même ban ça. C'est trop chiant. Selon son ban, c'était trop chiant. Pour le coup, là, ça aurait pas été problématique, mais je pouvais pas le savoir. Déjà que t'as fait Red 5 grâce à Odin. Le fameux, hein. Le fameux, hein. Attends, vous avez vu le nombre de remarques par rapport à ça, hein. Vous connaissez, hein. Hop. Ah, on a bien strip. J'ai bien aimé le moment où on a strip. Ouais. Et puis aussi, on avait strip. Ah, sans oublier les moments où on a pu strip. Ouais. Ok, comment on fait? On va aller à fond là-dessus, je pense. Bah, il y avait 3 wheels. On a eu 0 sur 3. Ok. Bah, carré, hein. Carré. J'ai pas envie de stun, je t'avoue, là. Je vais faire des dégâts, pour son passif, au moins c'est fait. On va cleanse le Dominique, on n'a pas trop le choix. Normalement, on devrait pouvoir tuer le Moor, là. On va ajouter un petit peu de dégâts au cas où. Et normalement, ça tue. Ok, un de moins. Il est chiant. Il n'est pas censé l'être à ce point, mais là, il est devenu chiant, ce Tessarion. Ah, en plus, elle a pu stun 2 sur... Ah, putain, fais chier. C'est trop chiant. Ok. Peut-être break attack ça, quand même, pour qu'il fasse un peu moins de dégâts. Le problème, c'est que vu qu'il a proc, il va pouvoir... Là, le cleanse. Ok. Oh non. Ça proc trop. Ça pète les couilles. Vas-y. Hop là, pity revenge. Ok, elle a pas proc les gars, je sais pas si vous l'avez vu, c'était assez bref, mais elle n'a pas proc. Je pense qu'il faut quand même qu'on stun ici. On n'a pas trop le choix. Comme ça on va pouvoir restun avec Tyron derrière. Et elle sera plus trop chiante. Ok, au moins, en plus on a le Tessarion, c'est pas mal du tout. Ah putain, il arrive à stun ça. Je vais devoir freeze là. Ouais, je vais devoir la freeze ici, c'est un peu chiant mais pas le choix. Est-ce que je fais skill 2 maintenant tout de suite? Je pense pas, je vais le faire prochain tour. Faut vraiment pas qu'elle proc elle. Ou lui... Après je pense pas qu'il tue. Donc he's ok. Ah mais du coup il a perdu son slow.
Ah, oh, ça casse les couilles, les procs, là. Ok, ça, c'est un bon proc. Ça veut dire que prochain tour, j'ai le skill 3. On va mettre l'immu, mais... On n'a pas trop le choix, de toute façon. Il a le glancing. À tout moment, il fait des petits glances, hein, je sais pas. Mais l'immu de l'autre côté. Je pense que je vais devoir freeze ce Tessarian. Il va être trop chiant, sinon. Ouais, je vais le freeze en vrai, tant pis. On l'a pas freeze. Bien vu. Il va où, quoi, tu vois. C'est quoi les goûts que tu trouves top tier? Ok, encore un petit proc. Les goûts que tu trouves top tier, top tier. Oh putain, c'est trop chiant. Il fait que proc, il fait que résist. J'ai rien strip. Il y avait full buff, j'ai rien enlevé. Le seul buff qui s'est enlevé là, c'est parce qu'il a pris son tour. Ok. Attends, je te donne les goûts au lit après, ok? Bah du coup, il est plus sous slow, quoi. Et par contre, le tyron, il met du sien, ça c'est cool. Ça fait plaisir à voir. Mais pitié, ça va aussi. Il a encore proc. J'allais pouvoir le full life là. Mais il a encore... Non mais c'est trop, ça va aussi. Nah, but...